Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule pour vous parler du manipulateur pervers narcissique. Qui est-il le manipulateur narcissique? Comment se présente-t-il? Il se présente comme l'âme sœur, oui. Tel un chevalier sur son cheval blanc, le pervers narcissique semble correspondre en tout point à l'idéal de sa victime. Il partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs de vie, la même philosophie et les mêmes goûts. Il est admiratif de tout ce que sa cible fait. Il aime son intelligence, sa vivacité d'esprit, son ambition, ainsi que son honnêteté et sa sincérité. Il semble serviable, généreux, digne de confiance. Mais tout ceci est en fait faux, archi-faux. Juste après avoir vu l'engagement de sa victime dans la relation, le pervers narcissique tombe le masque. Et là, le chevalier blanc, se métamorphose en un vilain personnage. La victime, à ce moment-là, se rend alors compte qu'elle a été bernée, exploitée, trompée. Bref, le pervers narcissique est une vraie fraude. La victime est tombée amoureuse de ses propres rêves. Le prince charmant du début, n'a jamais, jamais existé. Le double visage du manipulateur pervers narcissique. Et oui, il a deux visages. Un pour vous, la victime, et l'autre pour l'extérieur. La victime est la seule à voir le vrai visage de la personne. La première fois qu'elle le voit, c'est quand le manipulateur pervers narcissique sent que le moment est venu de tomber le masque. La victime est amoureuse de lui ou elle est suffisamment prise dans sa toile pour qu'il puisse relâcher la pression. C'est ainsi qu'il passe d'un masque à l'autre à la vitesse de l'éclair, d'une minute à l'autre, en fonction des circonstances. Il utilisera cette capacité de transformation pour faire passer sa victime pour folle, par exemple. Étant donné qu'elle est la seule à connaître son mauvais côté et qu'il passe pour un ange auprès des autres, personne ne croira la victime quand elle livrera sa vérité. Le mensonge pathologique. Toujours très convaincant, n'est-ce pas? Et trompeur à souhait. Le manipulateur pervers narcissique est un menteur pathologique. Il crée des diversions, diffuse des demi-vérités, il bluffe ou encore menace sa victime quand elle le questionne. Il nie les évidences
et se contredit lui-même. Il ment tout le temps. Il ment pour tout, même pour les plus petites choses. Il ment sur les émotions qu'il ressent, mais en réalité, il n'en a pas. Il ment sur l'amour qu'il ressent, sur ses regrets. Il n'en a aucun, jamais il a de regrets, sur le changement qu'il va opérer. Tout ce qu'il est n'est que mensonge. Ses personnalités sont des mensonges. En fait, c'est le mensonge incarné. Le partenaire le plus déloyal qui soit, le saboteur. Le pervers narcissique est d'accord avec tout ce que vous dites, puis fait tout le contraire de ce qui était prévu. Qu'il s'agisse de mariage, d'accord pour la garde des enfants, d'un simple échange social, tout ce qui a été conclu, eh bien, sera balayé d'un revers de la main. Il retournera ensuite la situation contre vous en vous accusant d'être la personne malhonnête qui a brisé le contrat. Le manipulateur pervers narcissique adore se faire passer pour la victime. La poudre aux yeux. Le manipulateur pervers narcissique grimpe les échelons de la société à coups de couteau dans le dos des personnes qui croisent son chemin et n'a aucune limite dans son ambition. Sa famille, eh bien, n'est qu'une belle vitrine de son succès. Le manipulateur pervers narcissique aime la poudre aux yeux. Il est toujours intelligent, charismatique et très éloquent dans son domaine d'activité, mais très souvent, il exagère ses compétences et ses références professionnelles. Il utilise la manipulation pour asseoir son pouvoir sur les autres d'une main de fer. Il exploite ses proies dans le seul but d'atteindre ses objectifs qui varient en fonction des opportunités. Ce sont les autres qui portent le poids de ses échecs, qu'il s'agisse de ses amis ou de ses collègues. Le pervers narcissique est toujours paranoïaque et s'éclipse rapidement si jamais les choses tournent mal. Il n'assume jamais les conséquences de ses actes et se contente de disparaître. La sexualité déviante. Le pervers narcissique est souvent un hypersexuel ou asexuel ou encore une alternance des deux. Sa sexualité présente presque toujours un côté déviant. Dû au climat incestuel dans lequel ils ont grandi et parce qu'ils n'ont aucune empathie, aucun respect des limites,
D'une manière plus générale, eh bien, les pervers narcissiques considèrent tout le monde comme une source de gratification narcissique potentielle quand ils sont dans une phase prédatrice. Étant donné qu'ils s'ennuient facilement, eh bien, ils sont des infidèles notoires, prennent des risques, c'est-à-dire pas de protection, etc. La victimisation permanente. Le pervers narcissique, eh bien, il blâme toujours les autres pour ses propres fautes. C'est un maître de l'identification projective. C'est lui, oui, c'est lui qui est victime de sa victime. Tout ce qu'il lui fait subir est systématiquement inversé et reproché à la victime. La violence. Le plus souvent, la violence du manipulateur pervers narcissique, eh bien, est psychologique. Il humilie, il blesse, il dénigre, il critique en permanence, ouvertement ou sans en avoir l'air. Il souffle le chaud et le froid en permanence. Tout est bon pour rabaisser sa victime et se rehausser à ses dépens. Le pervers narcissique, eh bien, peut également passer à la violence physique, ce qui est la prise de contrôle ultime sur sa victime. Généralement, il en arrive là quand elle menace de le quitter ou qu'elle est trop proche de son horrible vérité. Sur le point d'être démasqué, eh bien, le pervers narcissique doit faire monter la pression d'un cran. Une fois qu'il est sûr que sa victime a compris qui il était et a l'intention de le dénoncer à leur entourage, eh bien, le pervers narcissique peut véritablement devenir imprévisible et se transformer en harceleur ou encore en meurtrier selon ce qu'il a à perdre. Cependant, il évite ce genre d'extrémité qui ne va pas dans le sens de leur masque social. Le contrôle et la manipulation. Le pervers narcissique dresse les uns contre les autres et il divise pour mieux régner. Il ne présente pas ses proies à ses suiveurs. C'est le roi du cloisonnement pour que ses mensonges, eh bien, ne puissent pas être repérés. De même, il fera en sorte de ne pas réunir des victimes dans la même pièce. Il contrôle sa victime en se montrant maladivement jaloux et en l'isolant petit à petit de toutes ses connaissances. Il la met sous dépendance totale, y compris financièrement, pour qu'elle devienne
est bien sa prisonnière. C'est un harceleur né qui ira jusqu'à retourner la famille de sa victime contre elle pour être certain qu'elle ne voudra jamais le quitter. Il n'hésite pas à s'approprier les revenus de sa victime ou de ses victimes, car le manipulateur pervers narcissique est un maniaque de l'argent, un autre moyen de contrôle d'autrui. La froideur émotionnelle et l'absence totale d'empathie. Les manipulateurs pervers narcissiques sont très froids émotionnellement. Ils ne ressentent rien au niveau du cœur. Les émotions sont uniquement perçues d'un point de vue intellectuel et ne servent qu'à manipuler les cibles. Les pervers narcissiques sont incapables de se mettre à la place de leurs victimes. De fait, ils ne peuvent pas éprouver de remords. D'ailleurs, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Dans leur monde, ils sont les plus forts. Leurs victimes sont des objets faibles qui méritent d'être exploités et abusés. Quand un pervers narcissique dit qu'il aime, eh bien, c'est pour mieux préparer la suite. La tromperie et la trahison de la victime pour ensuite, eh bien, se nourrir de sa détresse. La prise excessive de risques. Le manipulateur pervers narcissique a un faible contrôle de ses pulsions. Il est donc amené à prendre des risques, parfois avec sa vie, la vôtre, vos économies, etc. Il peut également, eh bien, exprimer cette prise de risque en ayant de multiples partenaires sexuels sans protection. Eh bien, ceci doit être un signal d'alarme fort pour quitter la relation. Les pervers narcissiques sont totalement inconscients et irresponsables, pas d'un point de vue légal, n'est-ce pas ? Ils ruinent leurs victimes sans le moindre remords. Ils vous mettront en danger sans sourciller. Il se peut également que cet aspect de leur personnalité vous soit caché, mais il existe toujours. L'arrogance. Le manipulateur pervers narcissique aime exhiber ses jouets, à savoir sa femme, ses enfants, ses biens matériels, ses diplômes, son savoir, sa culture, bref, tout ce qui peut lui permettre de se mettre en avant en société. Il ne cherche que l'admiration, l'attention, la flatterie. Il en a un besoin compulsif. La seule raison d'exister de toutes les personnes qui l'entourent est le fait qu'elles le mettent en valeur. Quand elles ne remplissent plus leur rôle, elles sont jetées
car ce sont des objets remplaçables. Le sadisme. Le manipulateur pervers narcissique, dans toute sa splendeur, a besoin de la souffrance de sa victime pour expulser la sienne. Il ressent une vraie jouissance à la voir se démener pour faire fonctionner la relation. Il adore la voir demander pardon alors que c'est elle qui a été blessée. Il exulte de voir ses larmes, sa détresse. Son but ultime et non avoué est de la pousser au suicide ou à l'internement. Cela signerait sa toute-puissance, son droit de vie et de mort psychique sur elle. Les pervers narcissiques sont cruels, sans pitié. Quand ils reviennent après avoir abandonné une de leurs proies, c'est pour le plaisir de susciter son espoir, puis de la décevoir, de nouveau et ainsi de suite. Les colères soudaines. En fait, on peut plus parler de crise entre parenthèses de rage que de colère. Elles sont totalement disproportionnées et elles interviennent quand le pervers narcissique n'a pas sa dose d'attention, de contrôle et ou de soumission. Ce qu'il recherche, c'est juste de l'attention, qu'elle soit positive ou négative, comme un enfant qui fait un caprice. S'il doit se montrer plus cruel, insulter sa victime ou l'intimider, eh bien, il le fera. La séduction permanente. La séduction est l'arme fatale des manipulateurs pervers narcissiques. Ce sont de beaux parleurs et ils sont souvent charmants. Cette séduction, eh bien, n'est jamais à double sens puisque le pervers narcissique n'est jamais sous le charme de sa victime. Il a un objectif en tête et c'est pour cela qu'il aborde, puis séduit et enfin dépouille la cible. Ceci sans le moindre sentiment, sans le moindre état d'âme. La victime, elle, est totalement prise dans les filets de cet individu. Elle est comme hypnotisée et ne voit que du feu jusqu'à ce que le masque tombe. Le manipulateur pervers narcissique utilise, eh bien, la séduction tout au long de la relation pour empêcher la victime de partir tant qu'il en a besoin. Cette séduction est un venin à distillation lente mais sûre qui met beaucoup de temps à être éliminée par l'organisme hôte.
force de berner tout le monde, les manipulateurs pervers narcissiques se constituent un solide réseau de victimes qui peuvent, à un moment, vouloir se venger. À cause de cela, eh bien, les pervers narcissiques sont toujours dans la paranoïa. Ils pensent être enviés, jalousés, manipulés, etc. Tout ce qu'ils sont au fond d'eux, eh bien, est projeté sur les autres en négatif. Il y a certainement une part de vérité et il y a fort à parier qu'avec tous les cadavres disséminés sur leur chemin, tôt ou tard, leur paranoïa sera justifiée. Les manipulateurs pervers narcissiques ont également tendance à se montrer hautement suspicieux de leur partenaire, l'accusant d'être infidèle ou de leur vouloir du mal. Ils peuvent du coup, eh bien, mettre fin brutalement à une relation ou se montrer dangereux en prévention d'une agression même fictive. L'usurpation de personnalité. C'est une expression qui vient pour désigner la plus grande arnaque du pervers narcissique. Il s'accapare les qualités de sa victime, ses succès, tout ce qui fait d'elle une belle personne et lui transfuse de force ses propres défauts. Ainsi, eh bien, la victime est transformée en marionnette, en personnage de bande dessinée dont le scénariste, eh bien, est le manipulateur pervers narcissique. Psychiquement, la victime bascule dans une réalité alternative, celle du bourreau, dans laquelle elle est vidée de sa substance identitaire pour devenir un objet modelé par le pervers. La fausse dénonciation de la malveillance. Les manipulateurs pervers narcissiques adorent se faire passer pour les gardiens de l'ordre et de la morale. Régulièrement, ils souligneront combien les autres sont mauvais, combien le monde est hostile et combien la victime a de la chance d'être tombé sur une personne avec des valeurs morales tellement marquées. Il s'agit d'un grossier mensonge totalement hypocrite, n'est-ce pas, prononcé par le pire des personnages qui soit. Lui, qui n'hésite pas à tromper, à trahir, à corrompre, à abuser autrui, se présente, eh bien, comme un saint. L'avertissement caché. Tous les pervers narcissiques, dès le début de la relation, envoient des messages codés à leurs victimes pour les avertir de ce qu'ils ont l'intention de faire.
il ne faut pas les ignorer. C'est le masque qui glisse. Il peut s'agir de phrases comme « Tu devrais te méfier de moi » ou encore « Je ne suis pas digne de confiance. » Eh bien, c'est la vérité. La fausse repentance. Je vais changer. Je regrette. Je t'aime. Pardonne-moi. Etc. Retour au point sur le mensonge pathologique. Le pervers narcissique n'est jamais sincère et il ne se remet jamais en question. Donc, quand il sort de telles paroles, il ne faut rien croire. Ce ne sont que des mots creux, visant à retenir la victime et à semer le doute dans son esprit. N'oubliez pas que c'est un sadique qui adore créer de l'espoir pour mieux le descendre en flamme et briser les cœurs trop tendres. Pour terminer, eh bien, pour être capable de découvrir un manipulateur, il vous faut connaître très précisément les caractéristiques qui le différencient d'un autre individu. Nous pouvons déterminer 30 caractéristiques, dont 4 sont des conséquences des 26 autres. Un individu que l'on qualifie de manipulateur agit selon au moins 14 des caractéristiques parmi la liste que je vais vous indiquer. En 1, il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle, etc. En 2, il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet de ses propres responsabilités. En 3, il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. En 4, il répond très souvent de façon floue. En 5, il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations. En 6, il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. En 7, il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent toujours savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions. En 8, il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. En 9, il fait faire ses messages par autrui ou par des intermédiaires comme le téléphone au lieu de choisir, eh bien, le face-à-face, des notes écrites, etc. En 10,
Il sème la zizanie et crée ainsi la suspicion qui divise pour mieux régner et peut provoquer la rupture d'un couple. En 11, il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Maladie exagérée, entourage difficile, surcharge de travail, etc. En 12, il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. En 13, il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins, notion d'humanité, de charité, racisme, bonne ou mauvaise mère, etc. En 14, il menace de façon déguisée au fait un chantage ouvert. En 15, il change carrément de sujet au cours d'une conversation. En 16, il évite l'entretien ou la réunion, ou il s'en échappe carrément. En 17, il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. 18, il ment. 19, il prêche le faux pour savoir le vrai, déforme et interprète. En 20, il est égocentrique. En 21, il peut être jaloux même s'il est un parent ou un conjoint. En 22, il ne supporte pas la critique et il nie les évidences. En 23, il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. En 24, il utilise très souvent le dernier mot pour demander, ordonner ou faire agir autrui. En 25, son discours paraît logique ou cohérent alors que ses attitudes, ses actes ou son mode de vie répondent au schéma opposé. En 26, il utilise des flatteries pour nous plaire, faire des cadeaux ou se met soudain aux petits soins pour nous. En 27, il produit un état de malaise ou un sentiment de non-liberté. Il piège. En 28, il est efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. En 29, il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas faites de notre gré. Et en 30, il est constamment l'objet de discussions entre gens qui le connaissent, même s'il n'est pas là. Et bien voilà, pour celles et ceux qui sont dans cette situation, je vous conseille de vous faire aider, car cela ne sera pas facile de vous en sortir seul. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage dans cette difficile situation. Mais ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Vous parviendrez à vous défaire de ce manipulateur pervers narcissique.
Avec le temps, vous y arriverez. On se retrouve dans une prochaine capsule. Et puis, à toutes celles et ceux que ça parlera, je vous embrasse. Je suis tout cœur avec vous. Je suis en pensée avec vous. Courage. Et je vous dis à très vite.